Monsieur le chargé des affaires étrangères de l'ambassade du Royaume du Maroc en France, monsieur le représentant de l'ambassade d'Israël en France, monsieur le maire de Bonneuil-sur-Marne, mesdames et messieurs les élus, monsieur le grand rabbin de Paris, monsieur le président du consistoire central israélite de France, monsieur le président du consistoire de Paris et de France, monsieur le président de la communauté juive de Créteil, cher Albert, monsieur le rabbin de Créteil, monseigneur Dominique Blanchet, évêque de Créteil, mesdames et messieurs les présidents et présidentes d'associations juives et musulmanes, mes chers concitoyens et pour beaucoup d'entre vous, mes chers amis. Je suis très heureux d'être parmi vous aujourd'hui pour célébrer l'ouverture solennelle de cette semaine judéo-marocaine sous le haut patronage de Sa Majesté le Roi du Maroc, Mohamed VI. Je tiens tout d'abord à remercier chaleureusement Albert El Arabe, président de la communauté juive et du consistoire de Créteil, ainsi que son équipe pour avoir imaginé et organisé cet événement. Le judaïsme marocain a une histoire multimillénaire, remontant selon les sources entre le 11e et le 2e siècle avant Jésus-Christ. Au cours de ces millénaires, l'histoire de la communauté juive du Maroc s'est intimement confondue avec l'histoire du pays.